C'est l'un des nouveaux visages des courses de chevaux, Camille Pelletier. La Sartoise est à 29 ans à la tête de l'écurie familiale et participe cet hiver au meeting de Pau. Ce dimanche, elle présentera Galco Flor, l'un des favoris de l'épreuve Rennes, le Grand Cross. Comme je suis associée à mon père, il y a son expérience à lui. Moi, j'ai un peu de nouveau de ce que j'ai pu voir à l'étranger. J'ai mon idée aussi. Je pense qu'on apprend de plein de choses quand on voyage, du bon comme du mauvais. Il y a des choses que j'ai vues que j'avais pas envie de faire et inversement. J'ai pu forger mon idée, quoi. Sur les pistes de Cerse, comme tous les matins, les chevaux de l'écurie Pelletier viennent s'entraîner. Une séance allégée avec marche, trotting et galop de chasse. Galco Flor, un hongre de 7 ans, vainqueur de deux courses préparatoires sur l'hippodrome de Pau, est en forme. C'est David Surveillant qui est à la monte pour l'entraînement. C'est un cheval qui a besoin d'être écouté par son jockey. Il saute bien, vite, il est efficace, donc ses aptitudes, je dirais que c'est ça, ses points forts, c'est la rapidité de ses sauts. Et une fois qu'il est calme, c'est pas le même cheval. Ce dimanche, Galco Flor affrontera le Grand Cross de Pau et son parcours de 6300 mètres pour la première fois. Une épreuve de prestige que l'écurie Pelletier a déjà gagnée par le passé. Le Cross de Pau, c'est assez mythique, quoi. C'est un peu un rêve. Mon père l'a gagné une fois avec Twin Gold et Nathalie de Souterre. Moi, j'aimerais bien inscrire mon nom aussi, quoi. Support du Grand Cross de Pau, le prix Gaston Bataille viendra clôturer le meeting d'hiver. Une course qui fait partie des grandes classiques de l'obstacle européen. Un trophée de prestige visé par les entraîneurs français.